Salut les astros! Alors, je suis de retour. Oui, j'ai été absent sur la chaîne pendant un petit moment, tout simplement, eh bien parce que je n'étais pas chez moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant. J'ai été fouiller un petit peu les archives que j'avais au niveau astronomique quand j'ai fait de l'astronomie quand j'étais plus jeune. Et j'ai retrouvé, parce que je ne jette rien, j'ai retrouvé ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Regardez. C'est une méthode pour calculer la longueur d'une tache solaire. Tout simplement, on va aller voir ça tout de suite dans l'animation que je vous ai préparée. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va apprendre à calculer la longueur d'une tache solaire. Voilà, donc c'est assez simple, vous allez voir, il faut simplement avoir quelques notions de trigonométrie, et si vous n'en avez pas, ben c'est pas grave, vous faites les calculs comme je vais vous les indiquer. Alors, on va commencer par faire un schéma. Donc déjà je vais faire le schéma du soleil. Alors voilà, on va faire un petit soleil bien sympathique, on va le mettre en jaune, hein, parce que un soleil. C'est jaune. Voilà. Le soleil, eh bien, vous avez également un axe nord-sud. On va le mettre en noir, ce sera mieux. Puis on va mieux le positionner parce que là, il n'est pas terrible. Voilà. Et puis on va mettre également ici un équateur. L'équateur, on va le faire un petit peu plus gros. Voilà. Donc on a le nord ici, on a le sud ici, et puis ici on a donc l'équateur. L'équateur solaire. Donc, en théorie, le Soleil se déplace dans cette direction. Alors, vous allez faire le dessin d'une tache. Donc là, je vais vous faire un petit dessin d'une petite tache solaire. On va la faire ici. Hop, voilà. Donc, on fait la pénombre. Et puis, on fait ensuite le noyau de la tache solaire. Voilà, on a une jolie tache solaire. Et pour faire eh bien, le calcul, on va. Alors je vais reprendre ça, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Peut-être une taille un peu plus petite. Je ne sais pas si j'ai plus petit. Ouais. On va prendre. Une longueur, une première longueur, c'est cette longueur-ci. Et la deuxième longueur, cette longueur-ci. Voilà. Bon. C'est approximatif.
Donc on a ici une longueur L1 et L2. On a par exemple, donc bah pour être sûr, donc là ici on a L1 et L2. Donc L2 c'est la longueur la plus grande et L1 la longueur la plus courte par rapport à l'axe polaire. Et puis vous avez une dernière mesure à faire, c'est cette mesure-là. Voilà. Je suis en train de m'empatouiller les papiers. Voilà. Et cette longueur-ci, voilà, approximativement. Bon, cette longueur, ben, c'est la longueur qu'on va appeler H. Voilà. Et puis, dernier, c'est le diamètre. Donc le diamètre, c'est simple, hein, c'est cette longueur-là, tout simplement. Voilà, donc tout ça, c'est exprimé en millimètres. Alors, on va premièrement calculer l'angle hélio centrique. Alors le calcul de l'angle héliocentrique, c'est très simple. Y, donc notre angle héliocentrique, est égal à x1 moins, pardon, x2 moins x1, avec x1 et x2 égale à donc arc sinus de 2 fois L1 divisé par le diamètre, et x2 c'est arc sinus de 2 fois L2 divisé par le diamètre. Donc finalement c'est assez facile. On va faire une hypothèse. Mon hypothèse, c'est que L1, par exemple, ici, cette distance-là, elle est à, je sais pas moi, 50 mm. L2, par exemple, est à 50, même un peu plus, 60, allez, on va faire des chiffres ronds, 60 mm, et que ma hauteur h, bah, on va dire que c'est bon, ça a l'air d'être pareil que L1, dans les, allez, on va dire 55 mm, avec un diamètre d, par exemple, de 21 cm, allez, 210 mm. Donc toutes ces mesures, vous les avez prises avec beaucoup de soin, hein, tout simplement. Alors, x1, du coup, et x2, on va les calculer. Et pour les calculer, on va utiliser la calculatrice. La calculatrice, mais attention, en mode scientifique. Donc vous ouvrez votre calculatrice qui se trouve en théorie dans votre ordinateur, c'est dans les accessoires. Alors là, je suis sur Windows 7. Quand vous êtes sur Windows 10, vous ouvrez la calculatrice. Elle ne se présente pas forcément pareil. Hein, elle est un petit peu différente. Mais bon, le tout, c'est d'aller dans Affichage et de le mettre en mode scientifique. Ça, c'est important parce qu'en mode scientifique, on a les sinus, les cosinus, les tangentes, etc. On a plein de fonctions. Alors, arc sinus,
Pour avoir arc sinus, ici vous avez sinus, vous allez dans la fonction inverse, ici, donc le bouton inv, et vous avez sin moins 1, cos moins 1, tange moins 1. Donc c'est la fonction inverse à chaque fois. Faut savoir que, alors hop, je vais revenir ici, vous avez, je vais mettre ici, donc arc sinus. Eh bien, ça, c'est la dénomination francophone de sinus inverse. Et vous avez la dénomination anglo-saxonne, sin moins 1, qui est donc anglo-saxon. Donc, si vous êtes sur Windows 7, Windows 7, ben, vous avez une notification sin moins 1, donc on est sur la notification anglo-saxonne. Quand vous êtes sur la calculatrice de Windows 10, vous aurez arc sinus, vous serez en dénomination française directement. Dernière chose, ici vous avez le bouton inv, donc fonction inverse, parce que l'arc sinus c'est la fonction inverse de sinus. Il faut savoir que également vous avez une problématique au niveau des boutons. Le bouton inv sur la calculatrice Windows 7, eh ben, en fait, c'est pas la même chose. Sur Windows 10, c'est un bouton en forme de flèche vers le haut. C'est la même chose. Hein? Ça, c'est la même chose. Donc, je vous laisse utiliser la calculatrice que vous voulez. Voilà. On va effacer tout ça. Et on va reprendre nos calculs. Alors, on y va. Donc, sinus moins 1 de 2 fois L1, donc 2 fois L1, 2 fois 50, ça fait 100, divisé par 210. Et ici, sinus moins 1 de 2 fois L2, donc 120. Sur 210. Alors je vais ouvrir ma calculatrice et on va faire les calculs. Donc 100 divisé par 210 et je le mets en sinus moins 1. Hop, j'ai dû faire une erreur quelque part. On recommence. 100 divisé par 210 arc sinus. Donc inverse sinus. Voilà. 28,43. Hein, on va garder ça comme ça. 28,43. Et puis x2. Et ben x2. Hop, je fais clear. 120 divisé par 210. Et je le mets en inverse sinus 34,85. Voilà, 34,85. Et on a donc Y, c'est la différence. Donc X2 moins X1. Hop, donc clear. 34,85 moins 28,43. Pouf. Ce qui nous fait 6,42. 6,42. Et l'angle héliocentrique, comme c'est un angle, est exprimé en degrés. OK? Donc on a calculé l'angle héliocentrique qui est de 6,42 degrés. Je vais remettre ça ici, égal 6,42 degrés. Et puis, je vais effacer tout mon bazar. Voilà. Vous avez vu, les calculs sont plutôt simples. L'utilisation de la calculette, elle, c'est pareil, est assez facile. On va continuer. Alors, pour continuer, on va maintenant calculer en deux la latitude
de la tâche. La latitude de la tâche, la latitude de la tâche, on va l'appeler grand L. Et bien, c'est la même chose, c'est arc sinus. On est toujours sur le même type de formule de 2 fois, cette fois-ci, on va prendre h divisé par, toujours par le diamètre d. Donc là, on va faire le calcul. Donc c'est sin moins 1, hein, je reprends l'anglo-saxon, divisé, sin moins 1 de, donc 2 fois h, h c'est 55, ça nous fait 110, divisé par 210. Et tout ça, hop, calculette, clear, 110 divisé par 210 égale inverse sinus 31, 50, allez, 59, 31,59, et c'est également une latitude exprimée en degrés. Alors, L est égal à 31,59 degrés. Voilà, on a calculé la latitude de la tâche et on va continuer. Maintenant, on va calculer la longueur apparente de la tâche. La longueur apparente, vous allez voir, c'est assez facile. Oups, non, c'est pas ça. Il faut que je passe en pinceau. Voilà. Alors, la longueur apparente. La longueur apparente, on va la noter LA. Alors, LA, c'est égal à 2 pi R Y divisé par 360. Alors R, je vais faire un petit symbole ici, vous allez le reconnaître si vous êtes familiarisé, c'est le symbole du soleil. Donc c'est 2 pi R soleil, donc le rayon du soleil multiplié par Y, Y on l'a calculé ici, hein. D'accord? Donc ça nous fait égal 2 fois 3,14 fois le rayon du soleil. 696 265 kilomètres, donc c'est des kilomètres, hein, divisé par, multiplié par donc 6,42, hein, c'est ce qu'on a calculé là-haut, divisé le tout par 360. Allez, on y va. Clear, donc 2 fois pi. Alors pi, vous avez ici sur la calculatrice scientifique le pi, donc je vais l'utiliser, hein. Multiplié par 696 265 km, multiplié par 6,42 qui est notre angle héliocentrique, égal, et le tout divisé par 360 degrés. Voilà ce qui nous fait une longueur apparente de... Ah bah, elle est quand même belle cette tâche. Hop là, j'ai perdu. Alors, 78 016. Donc, 78 016 kilomètres. Hein. Ça c'est des kilomètres. Donc là, ici, on est en kilomètres. Donc, hop, je vais marquer ça ici, là. LA égale... 78 016 kilomètres. Voilà, hop, on va effacer tout ça. Donc après avoir calculé la longueur apparente, donc c'est une fausse longueur, la vraie longueur, il va falloir faire un petit calcul supplémentaire. Alors la longueur, donc là on est sur la longueur de la tâche solaire, et bien c'est LA, hein, notre longueur apparente, hein, notre fausse longueur,
multiplié par cosinus L qu'on a calculé ici. Donc ça nous fait 78 016 multiplié par cosinus 31,59. Voilà, on va ouvrir la calculatrice. Clear. Alors on va commencer par le calcul du cosinus, donc 31,59 cosinus, donc là je ne fais pas la fonction inverse, hein. On n'est pas sur inverse cosinus ou arccosinus, c'est cosinus, donc 0,4851, etc. Là, multiplié par notre longueur apparente, donc 78 016. Pouf! Et on a la véritable longueur qui est de 66 455. 66 455 km. Alors, comme généralement on est un peu inexact, hein, dans notre prise de photos ou de dessin ou de projection sur écran blanc, etc. C'est assez approximatif, hein. On peut dire que ça, hein, ça nous fait 66 500 km, hein. On n'est pas à 50 km près. Voilà, on a calculé la longueur de la tache solaire. J'espère que ce tutoriel, bah, vous aura plu et que, bah, désormais, sinus, cosinus, arccosinus, etc., n'aura aucun secret pour vous. Alors, je vais, avant de vous quitter, eh ben, faire un petit récapitulatif. Hop. Alors, on va premièrement calculer l'angle héliocentrique y égale x2 moins x1 avec x1 et x2 égale à sin moins 1 de 2 fois L1 sur D, 2 fois L2 sur D. Voilà. Et on a notre angle centrique. Ensuite, en 2, on calcule, eh bien, la latitude de la tâche. La latitude, donc, L, qui sera égale à sin moins 1 de 2 fois la hauteur sur l'équateur divisé par le diamètre. Et en 3, on fait donc le calcul de la longueur apparente de la tâche, qui est égale à 2 pi fois le rayon du soleil y divisé par 360. Et puis en quatrième, la longueur, eh ben, c'est la longueur apparente multipliée par le cosinus de notre latitude. Voilà, le tout exprimé en kilomètres. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse la fiche directement en téléchargement après, donc en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et puis, bah, amusez-vous, hein, faites des mesures souvent, et puis mettez ça dans un petit tableau, et puis faites un petit graphique, et vous verrez à la fin de l'année, vous verrez l'activité, eh bien, au niveau de la longueur des taches solaires. Ça peut être sympa. Allez, merci les gars!